animé en haut à droite. Il s'est caillé point, j'ai pas vu. C'est un monde où il nous dribble. C'est un monde où il s'est préparé. Qu'on a eu le temps. C'est dur en vrai. Il a préparé l'excuse. Là j'ai un gros doute. J'ai un gros doute aussi. C'est là. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Easy. Ah oui, oui, oui. On est parti du coup tout de suite pour le Game Center et c'est parfait parce qu'il a un lien direct avec la chronique parce qu'on va aujourd'hui jouer à reconnaître les seiyuu. Alors on aura plutôt 4 personnages ou plusieurs personnages qui sont doublés par la même personne sauf un qui est un intrus. Donc il faudra mettre le nom du personnage qui pour vous est l'intrus parmi les 4. D'accord. En gros il y aura 4 personnages, 3 personnages seront doublés par la même personne sauf un. Ok. Je pense que ça c'est clair. C'est pas ce truc. J'enlève la tablette comme ça. Qui va gagner, hein. C'est... Ouais, je pense que Kai est le plus à même à gagner. On verra bien. C'est parti, let's go. Première salve de 4 personnages. Il y en a un, je rappelle, qui n'est pas doublé par le même seiyuu. On doit trouver ce... Donc lui, je pense que c'est bon. Le celui d'en haut, je ne sais pas si c'est... En haut à droite, tu ne connais pas son nom. Kenny Ashura. J'ai l'impression, ça ressemble. Ouais, c'est Kengan Ashura. Hein. Comment s'appelle Kengan. Sinon, on peut mettre en position 1, 2, 3, 4. Je ne connais même pas. Bon, mettez ce serait bien de donner aussi les noms, genre s'il y a des personnages qu'on connaît pas. Les noms. Bon, en vrai, mettez. Si c'est le mec de Kengan Ashura, mettez Kengan Ashura. Si je crois que c'est Kengan, non? Oui, c'est Kengan. Là, ça... Ou sinon, on fait 1, 2, 3, 4 dans l'ordre gauche à droite. Bon, moi j'ai choisi. Ouais, j'ai choisi aussi. J'ai mon crayon qui n'écrit plus. Mon crayon n'écrit plus des masses non plus, attends. Ah. Ils sont là, les crayons. Ils sont en train de mourir. Bon, écris quand même, moi je te dirai si c'est vrai ce que t'as marqué. Ça passe pas, ça. Mais ça passe pas. Bon. Ok. T'as écrit, quoi, toi? Ouais, j'ai écrit. C'est bon? Allez, 1, 2, 3. J'ai mis Kengan Ashura. C'est Kengan. Ça? Kengan. Moi j'ai mis le deuxième en bas Kengan, du coup, vu que. C'est ça, du coup? C'est ça, Kengan Ashura, du coup. Ouais. Donc, point pour Kai et pour moi. Et pour Dorian. Oui. Et pour Dorian, t'as mis oui, deux. Oui, bah, deux, oui, c'était Kengan Ashura. Kazuya Nakai. Le doubleur. Oui, je connais. Vous savez, pour Zoro et pour. Mec de Force, c'est le capitaine. Oui. En fait, je savais c'est pas les trois. Auto machin, autobo, non, c'est pas ça. Non, le capitaine, je sais plus. Ouais, j'ai pas la force. Allez, on continue avec le suivant. Oula. Oh là là, c'est pas si évident. Attends. Ok. Ah, je pense savoir. Alors, c'est qui, c'est du kit tout double. Ah, ça écrit pas. Ouh, alors. J'ai un gros doute. J'ai un gros doute aussi parce qu'il y en a, je sais qui c'est. En fait, moi, je suis en mode, j'ai vu deux personnages, j'ai fait, ok, c'est du kit tout double de fou. Alors, je suis désolé, ça n'écrit pas. Tente ça, mais je suis pas sûr. Attention, on y va? Ouais. On y va? 2, let's go. 3. J'ai mis Sébastien. Nanami. Ah ouais, merde. J'ai mis Nanami. Et quoi, toi? Erwin. Que Nanami, c'est Kenjiro Tsuda, si je dis pas de conneries. C'est ça. Et. Ah Nanami. Putain, j'hésitais. Et les autres, c'est Ono Daisuke, non? Parce que je sais que. Parce que je me disais, je sais pas les deux autres, mais je sais que Erwin, c'est le. 1-1. C'est le seiyuu de Jotaro. 2-1-2-1. Je savais que c'était le seiyuu de Jotaro et je me disais que le seiyuu de Nanami allait peut-être plus sur les deux autres que je voulais pas du tout l'avoir en fait. Mm. Ok. Pas si facile que ça. C'est pour ça que je me disais que c'était soit Nanami, soit Erwin. Yes. Ouais, let's go. Ah, c'est bon. Il est trop chaud ce bâtard. On le joue même. On sait que je vais faire français. J'en ai deux, il y en a deux que j'ai pas. Donc c'est 30 chances sur 2. Ok, je vais. C'est quel animé en haut à droite? Isekai.jpg. C'est la question. Survivalgame.jpg. Non, il est trop gentil. 4, c'est Kingdom. Ouais, c'est Kingdom. Bon, je vais mettre 4. Bon, c'est pas ta réponse, t'es con quoi. Il est bête de quoi. Il est trop bête ce mec. Bon, on y va. Ouais. Et bon, let's go, je te laisse quelques secondes pour écrire. Ouais, c'est bon, let's go. Genre, vas-y, let's go. On y va. Et essaye, c'est bon, c'est bien. C'est essayé normalement. Let's go. Let's go. Et toi aussi, t'as mis quoi là? J'ai paniqué, j'ai mis 1. C'est pour ça en fait, je suis limite obligé. Regardez, voilà. Est-ce que vous voyez? Il a mis ça. Yusuke Kobayashi. Oui, putain. Il est en train de gagner en popularité, lui. Il fait de plus en plus d'euros. À la limite, depuis Zéro et Doctor. Alors, je suis mort. Je suis mort. Ah bah tiens, évidemment, tiens, à droite. C'est qui en haut déjà? C'est Haru de Persona 5. Ok. Allez. Ok, donc ça c'est pas elle, merci. Il y a un monde où il nous dribble. Hein. Il y a un monde où il s'est préparé. Qu'on a eu le temps. C'est dur en vrai. Il a préparé l'excuse. Attends, j'essaie de. C'est dur, hein. C'est dur. Vraiment dur. Même moi j'ai un doute là. Et si Persona, il a voulu mettre Persona en fait. Donc il a peut-être réussi à la seiyuu de Persona. Tu peux me poser le crayon? Parce que je veux dire? En fait, pour moi. En fait, soit il a menti, et peut-être qu'il y a un moment où c'est Haru et qu'il a juste mis pendant que c'est les couilles aussi. Hein. Attends. Je vais tenter un truc, mais je suis vraiment pas sûr. Là, c'est trop dur. Ça. J'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Attendez. Parce que dans tous les cas, c'est une seiyuu qui s'était bien modulé sa voix parce que. Attends. Je me rappelle pas la voix de. Comment ça s'appelle? Ori machin là. On y va? Vas-y, on va. Vas-y, écris un truc. Ouais, le crayon, hein. Ça crayonne. Let's go. 3, 2, 1. Historia. Historia aussi. Comment t'as. C'est Annie?
C'est Historia ? Ah, j'ai pas fait. Bon, c'est Historia du coup ? C'est Historia. Let's go ! Parce que je savais que. Je me disais bien son. Que Asuna et Ori, elles avaient la même voix. Moi, voilà. Bah voilà, en fait, je connaissais même pas qui était Seiyu, mais je me suis dit, dans la voix, alors, que ça sonne, tu vois. Moi, ouais, pareil, c'est... faire le truc avec Asuna et Haru. Mais... lui, moi et Kai. Retourne sur Vader. Quoi ? Je l'ai eu. Historia ? J'ai mis Annie, c'est pareil. Je croyais que c'était. J'ai mis SNK, quoi. Ok, vas-y. Ouais, bon, allez. Bon, et pour moi, bah, ça, t'as eu un gros coup de chance, ça veut dire que du coup t'as mis Annie, mais tu pensais que c'était Annie. Non. Du coup Annie, ça n'a rien à voir. Historia, je sais pas savoir. Mais non. Déjà, si c'était vraiment Annie, c'était faux, du coup. Annie. Ah mais c'est évident. C'est pas Annie. Oui. C'est ah ouais. Non, pas Annie. Rien, mais il a mis Annie, c'est-à-dire qu'il pensait à la cellule de Annie. C'est vrai que c'est vraiment pas la cellule d'Annie. Non, donc on peut pas donner le point. Est-ce que tu questionnes ma vraie logique ? Comment j'ai fait le truc ? Je savais. Haru. Ah, en vrai, c'est ambigu. Dans la tête. Pour moi, non. Je suis désolé. Ça marche pas comme ça. Si. C'est vraiment. Moi, je lui accorde. Moi, je lui accorde. Si vous l'accordez, mais vraiment, c'est de la. Oh. Oh! Attends, pas Shirizu, c'était pas une blague? Oh putain! Attends. Oh attends, il y en a, je sais, mais oh putain! J'essaye de me souvenir pour Gintama et l'autre, je sais plus son nom, mais je vois sa voix. Ils ont la même voix en français? Non, bah non. Ah si, pas Shirizu? Pas Shirizu, il y a un monde où il a la même voix en français. S'en fout, c'est pas grave. Bah si. Parce que tu l'as pas écouté, par exemple, Shirizu en japonais. Ok, je vais tenter. Peut-être. Je vais mettre un numéro là aussi parce que je sais plus son nom. Eh vas-y, là j'ai un gros doute. J'ai un gros doute aussi. C'est là. C'est dur. Je sais pas en fait. T'as raison en fait, ça se joue à 6 Pachirizu. Est-ce que le tien, elle arrive à trouver de leur côté ou pas ? Il y en a, pas sur celui-là, mais deux, sur les autres aussi. J'ai aucun doute. Il y en a deux. Il y en a deux dans le truc, j'ai aucun ça doute. Mais il y en a deux. En fait, le Pachirizu, il peut nous fumer en fait. Je vais tenter. Je tente. Je suis joueur. Attends, pause. Allez, vas-y. Je vais partir sur un truc. Ça se trouve, je perds sur ça. C'est pas grave. Ouais, j'ai juste mon numéro. Let's go ? Ouais, il marche bien ce crayon aussi. Il y a deux. Pachirizu. C'est Taiga. C'est Taiga. Let's go ! Oh, j'ai fait de la pure logique là, je me suis dit non. En vrai, je me disais, mais ça peut pas être la même. Ça me paraissait trop évident, c'était un piège. Mais c'est pas la même, pas chez vous, c'est pas celle qui fait Pikachu. Bah justement. Bah quoi? Ah, c'est elle fait ça. Elle fait Happy. C'est Rika Matsumoto qui fait Taiga. Bah du coup, oui, j'imagine. Mais du coup, c'est pas Pikachu. Dis-nous le nom pour qu'on le dise. Non, Rika Matsumoto, je suis un con, c'est Sacha. Kugemiya. Oui. Ok. Ça colle. Normalement, là, c'est que de la logique. C'est ça qui est bien. Il a vu Pikachu et tu savais que la voix de Pikachu, c'est Happy. Oui. Ok, ouais, c'est ça que j'avais pas. Oui, voilà. Parce que la voix de Pikachu, c'est Chopper. Et je savais que c'était la même voix pour la meuf de Gintama. J'avais un autre, la meuf de droite et Pachirizu. Et je me suis dit, Pachirizu, c'est bizarre. C'est un piège bizarre. Je savais que Gintama, ouais. Je me suis dit, en fait, la logique, c'est de mettre Pachirizu en pensant que ce serait la même que Pikachu, mais c'est pas la même. Je pense pas que la voix de Pikachu, ça soit la même que Kakura et de Happy. Ah bah si. Non. Parce que Pikachu, c'est la même voix que Chopper. Et ouais. Chopper, c'est pas la même voix que. Ah ouais, ouais. C'est pas la même voix qu'Happy ? Non. Mais attends, mais du coup, il sort d'où le dribble ? Non. Bon, je sais pas. Du coup, je ouais, c'est qui en haut à droite ? C'est qui ? C'est. Oh, c'est chaud ! Qui sont ces gens ? Unfest, Dine. Je connais, je sais pas, c'est qui en haut à droite ? Parce que oui, je connais pas les deux en haut. C'est de FunSub là ? Attends, en haut à droite, c'est pas le mec d'Accelerator, Railgun, machin. C'est Kuroko allemand. Oui, bon. C'est peut-être juste des sous-titres allemands. Allez, je tente ça. Attends. Là, j'ai un big doute. Il vient de le premier, c'est qui ? Il vient de quoi le premier ? Ah merde. Allez, je tente ça. En vrai, réfléchir. Hop. Je vais mettre le numéro là aussi. Après, il est trop vicieux lui aussi là-bas. Hein. C'est du hasard. Pour moi, c'est du hasard là. Enfin, il y en a deux, j'ai l'impression que c'est le même Seiyu. Il y en a deux, j'ai aucun doute. Oui, voilà, donc je pense qu'on est d'accord là. Mais en même temps. Eh, vas-y. 5, 4, 3, 2, 1. C'est encore une chance sur deux. J'ai mis le 1. Ah, j'ai pas vu. J'ai mis 3. J'ai mis le 1. J'ai mis 2. J'ai mis 2. En temps, c'est 3, ok, d'accord. Moi. C'est lui ? Moi, c'est du par hasard du coup. Putain, c'est vrai. Quoi ? C'était le 3 ? C'était forcément un des deux. Bah, moi, j'aurais pensé que justement c'était. Non, moi, je me disais, bon, bah. Vous réfléchissez, mais pas assez. Non, mais pour moi. Pas être un des deux autres, parce que même lui, il connaît pas le blaze. Donc, comment il serait allé trouver qui a fait le Seiyu ? Oui, c'est vrai, mais Agil, il a pas la même voix que. Et ça ressemble par contre. Que Tokoyami ? Osoya, Yoshima pour le Seiyu. Allez, on continue avec l'image suivante. Et ouf ! Qui sont ces jeunes filles ? Elle, on l'a vu pas. Saori Ayami. C'est la. C'est la. Là, ça va piffer. Là, je vais pas vous mentir, ça va piffer. Mais Saori Ayami, on l'a pas vu tout à l'heure ? Si. Ok, merci, tu m'as donné l'indice. Parce qu'il y en a. Là, il y en a une, c'est sûr et certain. Oui. C'est Shirayuki. C'est qui Shirayuki ? Shirayuki aux cheveux rouges. Ah oui. Ok, donc c'est. Ouais, il y a Yamada Kun. Et la deuxième ? Orange. Orange. Il est trop en fin de vie là, ça devient. Voilà, c'est. Ils ont de l'âge. Let's go. Attends, j'essaie d'écrire. On enchaîne assez vite, s'il vous plaît. Ça marche pas. Mettez numéro 1, 2, 3, 4, c'est vraiment une galère. Tu sais quoi que t'as ? Ah, encore mon compte. 2. Vas-y. Allez. Orange. Orange. Moi j'ai mis 1. Là, on a mis 1 tous les deux. Orange. Et Orange. Sympa. Et du coup Yes. Orange. Quelqu'un compte les points au moins ? C'est. Super. T'es le boss. C'était du coup Nao de Orange. On a combien encore de Seiyu à 3. Allez, on enchaîne, on fait les 3. Parce que
la meuf de Kagerui, Kagegugu, machin là. Kagegurui. On l'a vu dans les images qui ont été affichées pendant le truc. Je m'en souvenais. Quoi ? On est attentif ici. Oui, tout à l'heure pendant son dossier. Oui, je m'en souviens. On a vu la meuf de Kagegurui et la meuf de machin aux cheveux rouges. Ah, sur la même image. C'est pour ça que t'étais encore une chance sur deux. Oula ! Oula ! Easy. Ah oui, oui, oui. Je crois que c'est Easy aussi. C'est Easy. Je crois que c'est Easy aussi. Non, attends, attends. J'ai une dinguerie. Easy. Si, c'est bon, c'est bon. Mais il y en a deux déjà, c'est sûr. Easy. Attends, mais non, les trois, c'est sûr. Deux, j'en ai 100%. Attends, c'est qui en haut à gauche ? Et je crois que j'ai le dernier. Ah, le Shaman King, le nouveau ou l'ancien ? Bah, il a pas changé, l'œuvre. C'est un remake. Il y a certains séries. Certains séries qui sont changés, mais pas. Ah, dans son sens, ok. Non, non, là. Allez, 5. Là, vraiment, si je me trompe, je vais tomber. T'as pas 4. 3, non, putain, 2, je me suis trompé de chiffre. 1, c'est quoi ton chiffre ? 2, c'était le quatrième, c'est Shinra. Ouais, Shinra, parce que je sais qu'il était très récent. Shinra, c'est la voix de Asta et la voix de Tadano. Et je savais 100% que Edward et Toshiro, c'est la même. C'est par une femme. Et c'est une femme, du coup. Et je me souviens dans la voix que le premier, c'était aussi une femme, donc c'était forcément le. Ouais. Du coup, on l'a tous, sauf Xela. Sauf Xela. Ok. On continue. Ah, on l'a vu tout à l'heure. Oui, c'est Yuki Kaji. Oui, oui, Yuki Kaji, oui. Donc j'en ai 200%. C'est bon, j'ai. Enfin, oui, oui, oui. Attends. J'ai. Ok, j'ai. C'est une chance sur deux, là. 50. Non. Je crois, hein. Peut-être que j'ai une bêtise, mais je crois que c'est ça. Oh, tu mets j'ai un doute en vrai. Entre... J'ai un doute. J'ai un doute. Attends. J'ai un doute. Guilty Crown. J'ai vu les 4 animés en plus. Guilty Crown, j'ai imaginé les. Non, oui, vas-y, tu mets un doute. Je voyais un autre personnage. Attends, non, oui, je vais quand même rester sur mon choix. Allez, vas-y, je tente. En vrai, je pense qu'il a cette voix là. Je pense qu'il a. C'est Yuki Kaji qui a fait ce personnage. Je suis quasiment sûr, en vrai. On y va ? 3, 2, 1, 3. Ah ! 4. J'ai mis 4 moi. Moi, 3. 3. Let's go ! Il a une voix qui ressemble là dans le Zero, mec. J'ai piffé de fou. Dorian, dernière position, 4. Xela à 5. Moi à 6. Et. Ouais, il va nous. Sérieux, je suis dernier ? C'est une surprise. Oh le oh, oh waouh. Attends, c'est qui le chat ? Ah c'est quoi ? Le chat. Dans quoi ? J'ai perdu. Je vous le dis. Le chat dans quoi ? C'est le chat dans quoi ? Purée. Norman, c'est une meuf ? Oui, c'est une meuf. Oui, oui. Ouais, ça oui. Bah, dans les enfants. Akudama Drive. Et le chat il parle genre. Ou elle fait de miaou. C'est Natas. Bah le démon chauve-souris et le chien dans Spy Family c'est la même voix. Voilà, vous savez maintenant. Je sais pas du tout. Konata et Erika c'est les mêmes. Je sais pas du c'est tout. C'est si dur. Est-ce que en même temps la voix de Konata elle est tellement bizarre quand elle parle aussi. C'est qui Konata c'est la. Ah, c'est la deuxième. Ah, ok. Bah écoutez venons mettre un truc au pif. On sans trop réfléchir mettez un truc. Eh, vas-y. Allez, mettez un truc, n'importe quoi. Parce qu'en vrai, c'est le pipi pour tous les quatre, donc après... Je vais tenter un truc. Allez. Allez, let's go, on y va. 3, 2, 1. J'ai mis 4. 4 2, aussi. 1. J'ai envie de penser que c'est un piège. 2. Ok. Putain, c'était le choix de base, mais je me disais, j'en tête. Bon. En réfléchissant, je me dis non, c'est trop bizarre. Allez, voilà, c'était la fin du jeu. Bravo à Kai. En vrai, c'était un petit peu joué d'avance, j'avais dit. Personne n'est surpris. Donc bon, c'est comme ça, on va, tain, on va pas perdre. J'ai quasiment fait avoir sur une plein, chance sur deux à chaque fois. Putain, je suis le vrai gagnant. Non, on a guetté. C'est Dorian, le vrai perdant. Café ciseaux pour la place deuxième. Pierre, feuille, ciseaux. Ah, le gamin, c'est bon, putain. Bon, il est content en plus. C'est les fameux.